Bonjour, la dernière fois dans le question-réponse, j'ai terminé avec un petit parallèle avec le film Matrix, avec des lunettes déformantes. Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui a réagi, qui a été un petit peu interpellé. Et ça m'a donné envie, là, lors d'une petite balade, et bien de reprendre un peu de reprendre le sujet, de revenir là-dessus, et de vraiment comprendre à quel point nos choix en termes de physiologie, nos choix en termes de vie, peuvent aussi influencer notre expérience de la vie. Parce que je vous disais que finalement, dans le film Matrix, on présente des humains qui sont drogués, qui vivent un rêve alors que leur réalité est un cauchemar. Et dans ma vision, le film a du vrai, mais le film se trompe sur une chose fondamentalement, c'est que la vie que nous vivons actuellement est un rêve, oui, c'est une illusion, mais qui tourne au cauchemar, je trouve, et que la vie normale, la vie réelle, est une vie qui est bien plus douce, qui est bien plus simple, qui est bien plus grande et joyeuse que la vie que l'on vit et que l'on appelle vie, la vie normale d'un humain actuellement à notre époque. Et cela pour pas mal de raisons. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute expérience que l'on fait, on ne la fait pas directement. Quand je dis que la vie est une illusion, souvent les gens sont assez surpris, ils me disent non mais. En quoi? Moi, je vis ma vie, c'est pas une illusion, je ne suis pas en train de rêver. Eh bien, si, d'une certaine manière. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ce qui se passe, l'expérience, la chose, le fait, la vie qui se passe en nous et autour de nous, et notre appréhension, notre compréhension, il y a un filtre terrible qu'on appelle le mental. Et le mental, on reconnaît sa présence à quelque chose qu'on appelle l'émotion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sauf de rares individus et pendant des périodes peut-être rares, eh bien, toute expérience que l'on vit, toute rencontre, tout événement, toute petite sensation passe au travers du je n'aime, je n'aime pas, c'est pas pour moi, c'est pour moi, de la critérisation, du jugement, du rejet ou de l'acceptation. Le filtre du mental et de l'ego. Et ce filtre donc conditionne toutes nos expériences de vie. C'est bien pour ça que souvent je dis que la vie que nous vivons est un rêve, parce qu'elle est vécue au travers d'un filtre, au travers de quelque chose qui déforme complètement la réalité. Et je vous dis, la manifestation de cette déformation, c'est l'émotion. L'émotion, c'est la réaction du mental à un événement qui arrive. Quel que soit l'événement, je touche cette feuille. Je vais décider si ça m'est agréable ou désagréable, si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors qu'en fait, il y a juste un fait. J'ai touché, ah ben vous la voyez pas cette feuille. Oh alors, j'ai touché celle-là. J'espère que vous allez la voir. Peu importe, mais c'est en ce sens-là. Et donc, il y a ce filtre. Il y a ce filtre, ces lunettes déformantes qui se placent devant nos yeux et qui nous séparent, qui font que l'on rejette les choses, qui font que l'on va s'opposer, qu'on a besoin d'affirmer quelque chose, d'exister par l'affirmation et par le rejet. Et ce filtre-là, il est énormément conditionné par notre alimentation. Quiconque a fait l'expérience de simplifier son alimentation, de supprimer certaines classes de produits, en particulier le gluten et les produits laitiers, c'est exactement ce qui se passe si on les réintroduit. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de consommer du gluten et qui réintroduit du gluten pète littéralement les plombs, rentre en dépression, en agressivité. Il est possédé. Il est possédé par quoi? Eh bien, il est possédé par cette espèce de hyper-excitation de l'ego. Je vous ai dit, moi, je ne crois pas au démon, au diable et ainsi de suite. Je n'y crois absolument pas. Je crois qu'on a un mental et qu'un mental qui nous asservit, qui nous met esclaves de ces petits désirs, de ces petites séparations. Et donc, quand on consomme ces produits-là, eh bien, c'est le mental qui est nourri et qui est renforcé par l'excitation du système nerveux, par l'isolement que cela crée en nous. C'est comme si on se plaçait une espèce de camisole. On est enfermé dans ce monde de l'ego et du mental et on ne perçoit plus l'extérieur. Et cette camisole, eh bien, elle nous entoure tout le temps. Elle voyage avec nous, elle chemine avec nous. Et elle connote toutes les expériences, elle donne une couleur, une teinte, une saveur à toutes les expériences que nous vivons. Et franchement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, vous n'imaginez pas ce que, en termes de changement de vie, de simples changements alimentaires peuvent apporter. Je dis de simples, c'est tout un chemin, mais de vrais changements alimentaires peuvent changer.
peuvent changer dans une vie. Je rencontre tellement de gens qui me disent avoir passé des années en psychothérapie, avoir essayé toutes les méthodes et avoir changé quasiment du jour au lendemain, simplement par des changements alimentaires. C'est donc une question à se poser sans cesse. Est-ce que ma réaction, est-ce que mon comportement est normal? Je le dis souvent, il n'y a aucune raison dans ce monde pour ne pas aimer l'autre, pour ne pas aimer ce moment, quoi que ce soit que cette personne ait faite, quoi que ce soit ce moment. Et pour moi, si je vis quelque chose qui est différent de ça, c'est-à-dire l'incapacité à aimer ce moment, à aimer cette personne, alors je sais que je ne suis pas dans l'expérience directe, je sais que je suis dans l'expérience de l'ego, qu'il va y avoir cette séparation, cette distanciation qui fait que j'ai la préférence pour moi-même. Alors la préférence pour moi-même, ça paraît un mot global, simpliste, mais c'est ça finalement. C'est la préférence pour mes propres besoins. L'inexpérience de l'amour, on parle toujours de l'amour inconditionnel, c'est du vent. C'est du vent. Qui d'entre nous expérimente vraiment l'amour inconditionnel? Les mères, à certains moments, je pense, éprouvent ça pour leurs enfants, mais encore. Réellement, cet abandon total, cette ouverture et cette confiance, cette nudité totale. Et vraiment, cet état-là, bien, on dit souvent que c'est le fruit d'un cheminement psychologique. En fait, je ne crois pas. Je ne crois absolument pas. Cet état-là, c'est l'état normal de chaque individu. C'est le fruit d'une déconstruction physiologique, mais non pas d'un cheminement psychologique. C'est pour ça que, à titre personnel, toutes les voies d'amélioration de soi-même par l'ascèse, par l'exercice mental, par la contrainte spirituelle, ne marchent pas. La seule contrainte spirituelle que je garde, c'est garder mes yeux et mon esprit absolument captifs à tout instant et tournés vers la lumière. Pour moi, ma lumière, c'est Dieu, donc je tourne mon esprit en permanence vers Dieu. Je ne laisse pas l'ego et le mental se répandre. Mais pour ça aussi, je suis aidé par l'alimentation que je reçois, par les fruits qui ne viennent pas perturber mon système, qui ne viennent pas agresser le système, renforcer la prépondérance du moi. Je suis aidé par le fait que je n'introduis pas des poisons que sont le gluten, les produits laitiers, les produits cuits. Oula. Il y a une tentative d'intrusion là. Les produits cuits dans mon alimentation. Loin de moi l'idée de vouloir diaboliser. C'est un chemin. Ce que je sais totalement, c'est que le monde dans lequel nous vivons est le reflet de nos choix en termes d'hygiène de vie. Ce monde vous déplaît, ce monde ne vous convient pas, je peux le comprendre. Ce monde vous paraît un cauchemar dans lequel on se lève le matin en étant de mauvaise humeur, en râlant, en n'ayant pas envie de se lever, en ayant mal ici, mal là, mal à la tête, en étant énervé par son voisin qui fait du bruit, en n'ayant pas envie d'aller vers cette journée. Eh bien, ce monde de cauchemar est une illusion parce qu'il n'y a rien de tout cela. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais comment t'en es arrivé là? Faut pas croire que je sois plus illumineux, plus chanceux que les autres. Ma seule chance à moi, ça a été que pour moi, Dieu s'est appuyé sur ma maladie. C'est-à-dire que j'ai été réduit, j'étais quelqu'un d'égotique, de violent, de méprisant, d'intellectuel au possible et ainsi de suite. Et finalement, un jour, je me suis écroulé sous ma propre arrogance, sous ma propre superbe. Et je suis tombé réellement malade physiquement. Et c'est dans ma faiblesse que j'ai été touché. C'est dans ma faiblesse que j'ai été atteint et que j'ai permis quelques compréhensions, quelques libérations qui me permettent maintenant de fonctionner d'un peu moins de façon pathologique. Je ne prétends pas être arrivé à quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Je crois que l'œuvre de démolition intérieure n'aura jamais de fin. Mais il me semble que je fonctionne mieux qu'il y a quelques années. Et pour ça, le facteur alimentaire est primordial. Je vois les temps, les années où je fonctionnais avec un peu de cuit, un peu de cru, un peu de gluten par-ci, un peu de produits laitiers par-là. Et les moments où maintenant, depuis des années, je suis aux fruits, aux légumes, aux jus, que je ressens cette énergie qui coule en moi, cette clarté mentale, le terme de clarté mentale. Et quand votre esprit est clair, il ne voit qu'une chose, il ne voit que la lumière. Il ne voit qu'une chose. Il n'y a pas à la chercher. Elle est là. Il suffit d'enlever le brouillard et la clarté mentale est là. Toute notion de séparation se dissout progressivement. Toute notion d'argumentation, d'ergotation, d'arriver à dire « moi je veux ça, mais pas ça, mais ça c'est pas bon ». Il reste une espèce de neutralité, une note
une seule note à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de le ressentir, ça, mais parfois, moi, j'entends un son unique à l'intérieur, comme une centration. Et je vois les événements qui se passent tout autour de moi. C'est un petit peu comme si j'étais spectateur. Et là, je regarde, je dis, ah, il se passe ça. Ah, tiens, il se passe ça. Ok, qu'est-ce qui vient maintenant? Qu'est-ce qui vient? Je suis spectateur. La notion de volonté, la notion de arriver à quelque chose, ce sont des dimensions du mental. Et ce sont des dimensions pathologiques du mental. Ce sont des dimensions du mental pathologiques parce que elles sont générées par une forme de séparation et de souffrance, une véritable souffrance au sens organique du système nerveux par l'hyperexcitation qui s'ensuit par le mode de vie. Alors quand je dis alimentaire, il y a sommeil, il y a rapports sociaux, rythme de vie très très important. On est une civilisation de l'exagération. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de spirale infernale. Le mental et la séparation créent les conditions de sa propre reproductabilité. Donc, il crée les conditions de sa propre reproductibilité. Et comment donc? Eh bien, finalement, en nous rendant de plus en plus souffrants, de plus en plus malades, en générant de plus en plus de peur, d'inquiétude, d'angoisse. Reconnaissez-le à ça. L'inquiétude et l'angoisse, ce n'est pas la vie. La vie n'est tout sauf ça. L'inquiétude et l'angoisse, c'est le mental, c'est la construction mentale. Cela ne sert à rien. Cela nous limite. Cela nous bloque et c'est la manifestation d'un fonctionnement organique qui n'est pas là où il devrait être. Et donc ce message et cet appel vraiment à vivre autre chose au travers de changements alimentaires. Souvent on me demande, mais comment est-ce que je peux faire pour aller mieux? Mais comment faire pour aller mieux? C'est tout simple. Ce matin, vous attrapez des oranges, vous attrapez des légumes verts, vous attrapez des carottes, des pommes, vous les mettez dans le juicer, vous n'avez pas d'extracteur de jus, vous les prenez, vous les croquez et vous passez la journée à faire ça. On s'en fiche de savoir ce que sera demain. Demain, vous vous réveillerez autrement. C'est juste ça. On se fiche de savoir ce que sera demain. Demain, ça sera un autre jour, une nouvelle expérience. On se fiche même de savoir ce que sera le repas de ce midi. On se fiche de savoir ce qu'il y aura dans une heure. On se fiche de savoir ce que vous allez manger, ce que vous allez vivre dans une heure. Ce qui est important, c'est maintenant. Les choix, ils sont faits maintenant. Nous avons une responsabilité dans notre choix. C'est maintenant que nous choisissons de diriger notre visage vers la lumière, que nous décidons d'aller vers ce que nous savons être mieux pour nous. Parce que je sais que beaucoup de gens qui regardent ces vidéos savent que cette voie est la bonne. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une assaise au départ. Et l'assaise, c'est de toujours ramener le visage, ramener la boussole, ramener la barre, quoi que ce soit qu'il arrive. Il y aura des jours où ça se passera mal, peu importe. Quoi que ce soit qu'il arrive, l'important c'est de ramener la barre, tirer la barre à soi, garder le cap. On s'en fiche, un pas en avant, un pas en arrière, ça n'a aucune importance. L'important c'est d'avoir le bon cap. Si vous partez dans la mauvaise direction, vous aurez beau faire trois pas en avant, ça sera trois pas en avant dans la mauvaise direction. Si vous partez dans la bonne direction, il n'y a pas de petite avancée. Il y a le chemin uniquement. Et les critères, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les critères, c'est, si je devais faire une liste, la joie. La joie, c'est la première. La fluidité, la simplicité, la clarté. Si vous n'êtes pas dans un état dans lequel les choses sont simples, fluides, que les choses s'enchaînent, que vous ne bloquez pas sur telle chose, que vous, si vous passez vos journées à ruminer des sentiments, de l'agressivité, c'est qu'il y a un problème. Vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, vous êtes victime. Comme sont victimes les enfants dits hyperactifs que l'on met sous Ritaline, comme sont victimes les personnes que l'on met sous antidépresseurs, tous victimes d'une vaste conspiration que nous entretenons nous-mêmes. Je ne crois pas que ça soit une conspiration extérieure, comme toujours je vous dis, je ne crois pas à l'ennemi extérieur. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui décident de nous manipuler. Je crois surtout qu'il y a une auto-reproduction de génération en génération de quelque chose de fou et de quelque chose qui grandit. Et il suffit maintenant de regarder autour de nous, de regarder l'état de détresse morale, de détresse physique, pour ne pas dire de débilité physique, de détresse autour de nous du biotope, pour se rendre compte que ce système touche à sa fin.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est évoluer ou mourir. Il n'y a plus le temps d'avoir peur. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut choisir délibérément de tourner son regard vers ce que l'on sait être l'antidote. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois qu'on a décidé de le faire, de s'y tenir, quoi que ce soit qu'il arrive, il y aura beau y avoir des événements qui vous tomberont dessus, qui entraveront cela, on continue à avancer. Vous savez, c'est l'image de l'individu qui avance, puis il y a quelqu'un qui s'agrippe à sa jambe, style le Seigneur des Anneaux, vous savez, quand ils partent à la bataille, il y en a de partout, il s'agrippe à ses jambes, peu importe, il continue à avancer, et quelqu'un d'autre s'agrippe à ses jambes, quelqu'un d'autre s'agrippe à son dos, on s'en fiche, on continue à avancer. Peu importe que finalement l'ennemi nous immobilise, on continue, on a toujours cette énergie vers l'avant, cette énergie qui va faire que ce matin on va prendre un fruit, ce matin on va prendre un jus, et on est reparti. On est reparti parce qu'on sait que c'est la seule façon de sortir de ce cauchemar. C'est la seule façon, et qui plus est, comme le cauchemar est auto-entretenant, cette sortie par le haut est elle aussi auto-entretenante. C'est une spirale vertueuse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on va se régénérer, où notre esprit va se clarifier, ça va devenir de plus en plus facile. Au fur et à mesure qu'on va atteindre ces hautes sphères, si l'on veut, mais ces hautes sphères, elles sont tout à fait terrestres, matérielles, elles sont ici. Mais au fur et à mesure que notre esprit va se désembrumer, les choses vont devenir de plus en plus évidentes. Et vous allez voir, on devient accro au bien-être. On devient accro à la joie. On devient accro à l'enthousiasme et à l'énergie. Je ne connais personne qui dise « Ah non, non, mais moi je préfère être fatigué le matin, de mauvaise humeur, râlant contre mes enfants, pas heureux ou pas heureuse de faire ci ou ça. » Non, tout le monde va signer si vous leur dites « Non mais attends, tu veux vivre ta vie de façon plus simple, tu vas avoir un corps qui fonctionne mieux, qui bouge mieux, qui n'est pas fatigué, tu vas avoir une belle peau, un beau visage, tu veux avoir... un enthousiasme débordant, l'envie de faire des choses. Simplement, si vous n'avez pas l'envie, les gens qui sont fatigués, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque part, ma frustration souvent, c'est de voir des gens qui sont enfermés dans des catégories dans lesquelles ils sont figés, ils sont coincés, on les a mis dans une case. Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, que ce soit des enfants ou des adultes. Et c'est immuable. Non. Cette case, elle a été bâtie comme une prison simplement parce que nous avions fait une erreur d'aiguillage au départ. Ce que je propose dans ces vidéos, c'est de questionner ce moment de l'aiguillage. Vous avez vu, il n'y a pas une voie unique, ce n'est pas 100% cru ou la mort. Loin de là, c'est un chemin. Progressivement, on enlève des couches. On enlève des couches, on voit les résultats, le sommeil s'améliore, la peau s'améliore, les petites maladies de l'hiver disparaissent. Les grosses pathologies commencent à se résorber et progressivement, on est encouragé à aller vers autre chose. Et on voit nos relations avec les autres changer complètement aussi. On arrête d'appréhender la réponse de l'autre. On arrête de prendre de la jubilation et de la joie dans l'argumentation, dans le débat. On reste simplement contemplateur. On contemple ce merveilleux film qui se passe devant nous. Non pas un film dont nous sommes le réalisateur et un réalisateur perturbé et violent, mais un film qui est projeté pour nous, un film sublime. Je vous laisse avec le film.